m'appelle Adama GUEYE, je suis artiste, comédienne et danseuse. Je m'occupe des commissions de spectacle, danse, théâtre, musique, cinéma, etc. Donc, on a organisé ce festival un peu, voilà, que Thiès soit animé, impliqué sur tous les domaines, danse, théâtre. On a décentralisé ça pour que la population en profite. Donc, on va jouer à la base militaire, au polytechnique, l'université de Thiès, Tangemi, donc Medina Fall, il y a aussi Tchali, Bourguin, etc. Donc, pour ces zones-là, on va essayer de faire profiter la population pour qu'ils sachent. Donc, à Thiès, on peut organiser ces festivals-là pour leur donner un peu de vie, de diversité culturelle. Donc, on a aussi invité les différentes, secteurs, tout ce qui touche à la culture, à l'art, serrure, bambara, etc. Donc, les morts aussi. On a invité tout le monde à participer à ce festival. Vous allez jouer des pièces de théâtre ou bien vous allez jouer de la musique? On va jouer des pièces de théâtre dans les structures. On va faire 4 jours de spectacles, donc dans les certains secteurs que je viens de citer. Donc ce sera danse, théâtre, cinéma dans chaque secteur. Mais les artistes vont changer à chaque fois. Ceux qui vont dans... Dans ce secteur aujourd'hui, ils vont dans d'autres secteurs pour faire différencier les différentes sortes de culture. Voilà, donc, c'est ça. Quels sont les grands artistes de Thiès que vous avez invités ou bien qui vont participer? Bon, les grands artistes de Thiès qu'on a invités, il y a Cercle de. Pas Cercle de Caillot, il y a. Le groupe de Mafala. C'est Le Soleil Levant aussi, vous l'avez invité? Bon, Le Soleil Levant, on invite aussi Arco de Thiès. On invite Janken, mais eux, ils vont pas jouer. Ils vont pas jouer. Ils vont pas jouer. Mais on a invité le compagnie Arc-en-Ciel aussi à Dakar. On a invité aussi un autre groupe qui s'appelle Quel est le groupe qui va jouer maintenant? Maintenant, le groupe qui va jouer, on a invité aussi les groupes de danse, il y a Kajor Tempo Dance. On a invité aussi dans les régions Jigenshor, Fatik Kaolack, Louga. Donc, toutes ces régions-là, ils vont participer à la danse et au théâtre aussi. Voilà. C'est la première édition? Voilà, c'est la première édition. Vous comptez encore en faire d'autres? Oui, on espère continuer. On veut continuer ça chaque année. Chaque année, on veut faire cette festival. Okay.